Bonsoir. Bonsoir. Ah. À l'intention des deux ou trois hurluberlus qui ne nous auraient pas immédiatement reconnus, je nous présente, je suis François Rollin, et voici Alexandre Astier, Alexandre à qui j'ai le plaisir cette année de faire découvrir Montreux, son festival et son public formidable, à l'exception de deux ou trois hurluberlus qui ne s'intéressent à rien. Noël approche, aussi avons-nous décidé avec Alexandre de vous faire un cadeau, mais peut-être pas le cadeau que vous seriez en droit d'attendre de la part des deux éminents spécialistes du rire que nous sommes. Non, pas une grosse tranche de bonne poilade, mais plutôt un message d'amour et de fraternité en vous interprétant deux chants de Noël. Voilà, et nous entendons déjà les grincements de dents des ayatollahs de la rigolade qui trouveront quelque peu décalé notre démarche ce soir. Et bien, c'est en toute connaissance de cause qu'effectivement, nous nous posons un peu en marge de la thématique humoristique de cette soirée pour vous donner un moment de chaleur, de bonheur dans la célébration de Noël. Voilà. Voilà. Le premier de ces deux chants s'intitule « Dans une étable obscure ». Il est tiré d'un chant traditionnel allemand du XVIe siècle, Es ist ein Ross entsprungen. L'arrangement est de Michael Pretorius. Les paroles françaises sont de Monsieur Aristide Mao. Dans une étable obscure. Deuxième chant. Voilà, pardon, une petite seconde. François, excuse-moi. Alors, malgré tout, j'ai vu que tu avais retenu vachement ce qu'on avait dit, donc la justesse des notes, le placement, tout ça, c'est vachement bien. En revanche, j'ai juste une toute petite remarque, hein, ça prend deux secondes. Il me semble que c'était un peu fort. Un tout petit peu fort. Tu sais, Alexandre, j'ai du coffre. Hein, je suis connu pour avoir du coffre. Je suis né avec du coffre. Ce n'est pas à mon âge que je vais changer. Certainement, hein, François. Ceci dit, quand on a du coffre, il faut essayer d'équilibrer, en tout cas quand on n'est pas en solo, pour que le tout soit un petit peu harmonieux. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une volonté de ta part de tirer la couverture à toi, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, pas de problème, ça me semblait juste un petit peu bizarre pour un morceau que tu avais toi-même choisi. Voilà. Oh, un morceau, Alexandre, que nous avons choisi ensemble. Oui, si tu veux. Enfin, il me semble bien tout de même me rappeler une conversation téléphonique où tu disais quelque chose comme « Écoute-moi bien, si on ne fait pas le Pretorius, je ne viens pas. » Ouais, d'accord, pas un truc comme d'accord. Ça. Voilà. Non, mais on y est. Non, mais d'accord. Non, voilà l'affaire. Pas avoir choisi quoi que ce soit. Voilà l'affaire, c'est que tu n'avais pas envie de chanter un chant chrétien. Hein, Alexandre s'assoit sans vergogne sur 2000 ans de civilisation chrétienne parce que l'univers de Monsieur Alexandre Astier, eh bien, c'est Kaamelott, c'est le Moyen-Âge, c'est les auberges sordides, de la vinasse et les putes. Ah, ok. François, voilà. Écoute, il me semble qu'on... Voilà. Hein, on va freiner des cas de fer. Hein, il me semble qu'on n'est pas en train de donner peut-être l'image de Noël qu'on avait décidé, voilà, de délivrer au public. Je te propose d'enchaîner sans attendre sur le deuxième chant, éventuellement de baisser un petit peu. Voilà. Parfait. Eh bien, le deuxième chant, qui pour le coup est le choix d'Alexandre, est un chant profane. Petit Papa Noël. Non. Non, pas Petit Papa Noël, comme ça.
Est-ce que tu peux donner, s'il te plaît, au titre de cette chanson, autant de crédits qu'à la première? Merci. Choix d'Alexandre, Petit Papa Noël. Voilà. La musique est de Raymond Vinci, les paroles d'Henri Martinet. C'est une chanson qui a été créée en 1946 par Monsieur Tino Rossi. Salut Tino. Petit Papa Noël. François, c'était là. Il y avait juste une seule phrase d'intro. Je sais pertinemment que c'était là. Simplement, comme tout à l'heure, tu t'es autorisé à me faire une réflexion un peu désagréable sur le fait que je tirerais la couverture. Je te fais observer que cette introduction d'une virtuosité totalement hors de propos, le genre « m'as-tu vu ?», des notes partout, des ornements, des fioritures, je ferme les yeux, je me la pète, je suis un Italien. Excuse-moi si c'est pas un petit peu tirer la couverture, Alexandre. Hein, je crois que le public l'a bien compris. Hein, voilà. Alors pardon, effectivement, oui, dès que ça devient un peu pro, c'est plus compréhensible, je comprends. Donc, effectivement, de la part d'un chanteur amateur, ça ne m'étonne pas, j'essayais juste d'arranger, parce que c'est mon métier, François, d'arranger la musique. J'essayais de l'arranger un peu à ma sauce, j'essayais de redonner un petit peu de modernité à cette introduction d'un morceau qu'on connaît très bien. Si ça t'échappe, eh bien tant pis, ma foi. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête, on fait quoi? Eh bien, allons-y, reprenons. Je crois que nous ne sommes pas en train de donner une très bonne image de... Non, effectivement, non, on ne donne pas une bonne image de Noël. Alors reprenons. Introduction. Introduction, t'es sûr? Allez. Là, t'es quand même passé d'un extrême dans l'autre. Quoi? T'es passé d'un extrême dans l'autre, alors là... Je te laisse la place de hurler sur ces gens. Je te laisse un peu de marge pour t'exprimer. Vas-y, crie. Bon. Ouais. On va y passer le réveillon. Introduction. Laquelle? La courte, je t'assure. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Tu vois, Alexandre, excuse-moi, tu vois, à ce stade de la chanson, normalement, le public devrait être debout, chanter avec nous, taper dans les mains, vivre la joie de Noël. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le public n'a pas envie parce qu'il te sent à reculons. Il sent que tu joues pas le jeu, parce que tu chantes pas avec ton cœur, parce que t'es vexé parce que je t'ai fait une remarque. Alors, c'est une hypothèse de leur intimidation. Effectivement, moi, il y en a une autre qui consisterait à penser qu'ils sont un peu intimidés par le fait que tu leur hurles dessus sans raison. Non, Alexandre, c'est pas ça, non. Le fait est que tu ne joues pas le jeu. Ils se font engueuler depuis 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent taper dans les mains? Tu ne joues pas le jeu, Alexandre. Tu n'y mets pas ton cœur, tu ne le vois bon, pas, le Père Noël. François. C'est le réveillon dans moins de 2 semaines. Alors, on reprend. Alors, moi, de mon côté, je m'engage à jouer sobrement. Enfin, je joue ce qu'il y a à jouer, mais effectivement, je retiens un peu la bride. Voilà ce que je peux te proposer. Et moi, de mon côté, alors, je retiens aussi un peu la bride. Je vais chanter au volume normal. Hein. Tu m'envoies ravi. Allez. On va y arriver quand même, hein, à fêter Noël. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause.
pam pam pam. Non, non, c'est bon. Ça fait une je veux pas. Bien, on va se lever. C'est bon. Ah bon. Non, mais c'est moi. C'est peut-être que je suis arrivé à, je sais pas, saturation de quelque chose. C'est pas toi. En tout cas, toi, c'était très bien. Merci beaucoup. Merci. J'y vais. Non, je n'y arrive plus. C'est moi qui n'y arrive plus.